Avantage que me gagné, Grégory, pas yon étranger pour moi. C'était bon ami jusqu'en 2007. Et m'a pas dit où qui ça t'est passé. Le Grégory a vinn prêcher Canada, li impossible pour le pas passer, ne serait-ce que yon jour avec, et puis nous amis, nous fait nuit là, ne pas dormir, n'a discuté, jusqu'à ce que vinn gagné yon virage radical qui fait et la Kayam Grégory qui fait que nous pas parler encore et connaissance théologique moins scientifique moins de théologie jumelé à connaissance personnelle moins de Grégory ben yon avantage presque incomparable pour m'expliquer ça que Grégory relé ordination et qui saute fait et qui continue à faire actualité. Donc, si je choisis traiter sujet ça aujourd'hui, hein, à savoir qui signification théologique et mystique ordination Grégory Toussaint, hein, c'est parce que religion joue un gros rôle dans sous-développement pays d'Haïti. Et traiter sujet ça, la bonne occasion pour manier raison sous développement pays d'Haïti. M'a lancé en exhortation à mon ancien ami, mon ancien frère, pasteur Grégory Toussaint, pour lui ressaisir et pour lui utiliser talent que la nature baili, bon Dieu baili, que Guinée aux ancêtres baili, pour l'utiliser yo pour le plus grand bien du plus grand nombre. Ordination épiscopale, c'est l'adjectif qui dérivait du mot évêque de Grégory Toussaint. Maintenant, on capable de tête mais pour qui ça docteur Fils-Aimé dit ordination épiscopale de Grégory Toussaint et non pas du pasteur Grégory Toussaint. Vous comprenez pour qui ça? Parce que si me dit ordination épiscopale du pasteur Grégory Toussaint, son pléonasme que me fait. Bah me répéter ça. Si me dit ordination pastorale de l'évêque Grégory Toussaint, son pléonasme que me fait de même, si me dit ordination épiscopale du pasteur Grégory Toussaint, son pléonasme, parce que même Jean-Noël Poilwell, mot ça yo synonyme. Et nous pas pral faire li selon démagogie, n'a pral faire sous base Nouveau Testament. Moi-même son ancien professeur Nouveau Testament qui a enseigné grec, qui a enseigné exégèse du Nouveau Testament et donc n'a pas le fait li selon le Nouveau Testament, puisque pasteur Grégory dit la Bible c'est la parole de Dieu et que li dans la Nouvelle Alliance, donc le Nouveau Testament, base que n'a pas l'utiliser comme matière première pour nous comprendre qui ça Grégory Toussaint a fait sa gain de dimanche de cela, c'est Nouveau Testament pour le faire. Et c'est très intéressant que le lap, dimanche dernier, dans la prédication, l'a reproché, enfin, la, il fait chaque monde qui conteste ordination là, il dit, mais, sous tapé sous YouTube, pour qui protocole qui gagne une ordination, ou à que ça me fait pas gagner d'étonnant. Non, c'est pas YouTube pour taper. C'est Nouveau Testament pour nous garder, pour nous, ouais, qui ça, Nouveau Testament dit, sous ordination, sous épiscopat, donc le terme évêque, ou pasteur. Donc, ordination épiscopale de Grégory Toussaint, donc ordination Grégory comme évêque, qui ça, Nouveau Testament, pensait de ça? Ça, c'est première partie, hein? N'a pas le mot de tête à nous comme question. Qui ça, yon évêque, en anglais, qui ça, yon bishop, yé? Gagné, ça, c'est très important, trois mots, qui dans le Nouveau Testament synonyme. Et
une fois me fin montre trois mots ça yo, ou après le comprendre pour qui raison ordination grégorien comme évêque c'est en démagogie. Donc gagner trois mots qui synonymes dans le Nouveau Testament. Suivant. Gardez trois mots ça yo. Ancien, pasteur, évêque. Le Nouveau Testament a décrit leader l'église, l'irélé yo, ou m'di yo, parce que l'église doit être dirigée par plusieurs leaders. Ça ou le yon leadership collégial. Le Nouveau Testament a parlé de leader l'église, l'irélé trois gens. Tous les trois façons ça yo, yo synonyme, même si yo gen des indications différentes parce que yo utilisé des registres langagier est différent. Donc l'on moun leader l'église, on ka choisir lo un ancien, on ka choisir lo yon pasteur, on ka choisir lo yon évêque. Qui sont doit comprendre si m son pasteur, m déjà évêque. Donc m déjà bishop. Si m c'est un pasteur, m c'est déjà un ancien. Et donc déjà m faut réaliser que tout désordre où est monsieur africain yo a faire parce que Grégory c'est dans l'école frère africain ça yo là la prendre désordre qu'on elle fait là l'autre jour. Tout désordre où est qu'a passé dans l'église évangélique aujourd'hui a. Et même dans l'église catholique en premier hein, et par la suite l'église anglicane méthodiste épiscopale c'est désordre parce que l'église dit li kwè dans la Bible comme parole de Dieu, mais première institution qui pas respecté la Bible comme parole de Dieu, c'est l'église parce que si l'église t'ai respecté la Bible comme parole de Dieu, à commencer par l'église catholique mais qui pas préoccupation aujourd'hui ou à parler de l'église épiscopale, méthodiste ou anglicane qui pas préoccupation aujourd'hui. Parce que préoccupation, c'est l'église évangélique, puisque haïtien, c'est chrétien évangélique. Eh bien, si l'église évangélique, te respecte la Bible, que aurait les paroles de Dieu, pas t'as bien au sein de l'église, des moun qui aurait les tétés pasteur, l'autre moun qui aurait les tétés évêque, parce que c'est même moi. Donc, toute cérémonie où est qui fait, côté qu'on pasteur, pour aller les tétés évêque, il pourrait aller les têtes li bishop, c'est de la foutaise. Au fait, moi, ou après le temps de me répéter en pile, c'est de la mystification, ou en l'autre mot, c'est ce qu'on appelle de l'enfumage mental. Ça veut dire, son bagage l'a fait pour le craponner, son bagage l'a fait pour le montrer les plus importants, mais, et moi, le démontre ça, dans le Nouveau Testament, yon leader l'église, yore l'il soit yon ancien, soit yon pasteur, soit yon évêque, c'est-à-dire yon bishop. Yore l'il yon pasteur l'église ancien, parce que yon ancien, son moun qui gen expérience nan foi chrétienne. Le ou dit ancien ici, elder en anglais, ou bien presbyteros en grec, li pa fait référence à l'âge moun nan. Li fait référence à expérience que moun nan gagné dans affaire foi chrétienne. Et donc sou bien gade, yon ancien qui c'est un nan titre que yo bay a leader l'église à côté de pasteur et évêque, yon ancien yo relè l'ancien comme leader parce que li pa yon novice. Donc yon pasteur c'est yon ancien parmi l'autre ancien. En latin, yo di yon pasteur, c'est un primus inter pares. Ça veut dire, c'est yon premier parmi l'autre ancien qui égal à vel. Yon deuxième terme qui synonyme à mot ancien, au fait deux termes, mais c'est même sens là, quoique yo pral souligner des responsabilités différentes nan rôle pasteur a, c'est yon pral wè la, a nou gade. Yon pasteur, qui sa ou pasteur? Yon pasteur, l'on dit pasteur, mot pasteur dérivé du verbe paître,
Et on a premier côté qu'on retrouve le mot pasteur pour faire référence à un leader moun, c'est dans psaume 23. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon pasteur. Le relé yon leader l'église, yon pasteur, yon fait référence à un registre grégaire, donc yon utilise une image qui sorti dans le monde animal ou bien dans le monde agricole, et qui ça yon veut dire, yon leader l'église, son monde qui est là pour prendre soin l'autre monde. Donc ça fait référence à prévenance. Yon pasteur, son monde qui est là pour prendre soin l'autre monde que vous considérez comme brebis. De même, l'on appelait au Nouveau Testament, Jésus c'est le bon berger et l'Église est considérée tant que c'est mouton qui suivent le bon berger. Et troisième terme, qui est même tout synonyme, c'est évêque. Le mot évêque, en grec épiscopos, fait référence à un langage, ça c'est très important, plus politique, plus familial, plus ecclésial au sens de collectivité. Bon, m'expliquons ça. Yon a premier côté, yon te kon utilise le mot épiscopos, c'est dans milieu affaires politiques. Yon épiscopos, c'est yon moun qui nan yon collectivité, qui nan yon ville, te là pour veiller sous l'autre yo. Le ap écrit Nouveau Testament, yo choisi même terme ça, épiscopos, pour décrire yon en fonction en leader de l'Église qui l'a pour veiller sous reste l'autre monde. Donc, on dit où gagner trois mots, trois concepts, trois termes qui synonymes dans le Nouveau Testament. C'est qui ça yo yé? C'est ancien qui égale pasteur qui égale évêque. Si yo égale, si m déjà gagné yon ordination comme pasteur, si m vin prend yon ordination épiscopale, c'est démagogie qu'a fait. C'est de la mystification qu'a fait, c'est de l'enfumage mental qu'a fait. Et on va le voir, on va le ça. Li tellement facile pour me démontrer ça me poil dire là. Au compte ça fait facile parce que le mot évêque l'est utilisé seulement 5 fois dans le Nouveau Testament. Donc li facile pour moi même avec vous nous garder rapidement dans qui contexte il a utilisé le mot évêque ou bishop en anglais et puis n'a pas rapidement comprendre Samson Djou là, à savoir, sous pasteur ou son ancien, sous pasteur ou déjà évêque. Donc, l'idée de un pasteur Grégory, calproordination, Poulvin, bishop, c'est de la foutaise. C'est de l'enfumage mental. C'est de la mystification. L'on pasteur africain, dit tete, l'ité pasteur, qu'on y a li pour l'évêque, c'est manipuler, la manipuler pour voler l'argent. Et, n'est-ce tellement besoin manipulo qu'on y a yo crayon l'autre qui lui-même li pas dans la Bible du tout ou ka pasteur ou vin évêque qu'on y a gagné qui rele tête yo archibishop archevêque gagote qu'on trouvait dans l'église catholique qui c'est même en fumage là parce que religion c'est en fumage d'abord en nous garder 5 côtés que Nouveau Testament utilisait le mot évêque et on va pas le rendre compte que ça Grégory t'a fait là, pas grand rien à voir avec la Bible, que pourtant l'y considérer comme parole de Dieu. Vous trouvez donc le mot évêque 5 fois dans le Nouveau Testament. L'on fait exégèse, l'on besoin comprendre yon terme, ou vous pouvez regarder les occurrences de mot ça. Vous pouvez dire tête li, qui côté mot ça utilisé, combien fois l'utiliser, et c'est en comparant divers contextes côté l'utiliser que on pral ka gagner yon sens complet de moi de méta récit. Ça veut dire moi utiliser plusieurs côtés, m garder tout côté l'utiliser yo pour me dégager sens moi.
Et c'est facile pour le mot évêque, parce qu'il n'est pas utilisé plus que 5 fois. Donc, on va voir qui côté l'utiliser et qui sens l'y gagne. Mot évêque utilisé 3 fois au singulier, et si me dit l'utiliser 5 fois, on doit l'utiliser 3 fois au singulier, donc rété 2 fois au pluriel. Premier côté l'utiliser, et donc c'est au singulier, c'est dans 1 Timothée 3, verset 1er, 1 Timothée 3, verset 2, et Tite 1, verset 7. Alors, rapidement, Timothée, c'est un pasteur que l'apôtre Paul considérait comme disciple dans la foi, et c'est ça que aurait les Timothée en épître pastoral. Paul a écrit à Timothée pour le dire, mais qui critère qu'on doit trouver la caille yon pasteur, la caille yon ancien, la caille yon évêque, puisque c'est mot évêque là qui intéresse. On nous garde qui ça le dit dans 1 Timothée 3 verset 1er. Voilà, dans 1 Timothée 3 verset 1er, Paul dit au pasteur Timothée, il dit cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Paul dit Timothée, ça m'a dit là, livré. Si on moun ta remè vin leader l'église, ici, li ta remè vin évêque et nous pral wè li ta remè vin ancien ou pasteur, c'est un bon bagay. Et qui mot ou elle utilisé ici? Le mot évêque, épiscopos. Timothée, son pasteur. Paul, Abdil, pour choisir l'autre pasteur en dans l'église là, mais qui marche à suivre que ou doit gagner, mais qui critère ou doit suivre. Et, li passé de terme pasteur à évêque, indifféremment, li dit, si on moun vle pasteur, si on moun besoin évêque, épiscopos, son bon bagay li désiré. 1 Timothée 3, verset 2, et là, Paul, poil bay, qualification morale que yon pasteur, entendons yon évêque, entendons yon ancien doit gagner. Si, alors je lis, 1 Timothée 3, verset 2, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Ça, c'est important. Il dit, pour un monde capable, pasteur ou évêque, c'est la même chose, ou ancien, faut l'irréprochable. Ça signifie que faut le pas dans polygamie, faut le gagner une seule madame, faut le monde sobre, ça veut dire faut le pas un monde capable éclairé, c'est ça, ça signifie. Faut le monde qui modéré, faut le droite dans conduite, li, hospitalier et propre à enseignement. Ça, c'est important. Parce que, yon a travail que yon pasteur, yon ancien ou yon évêque doit remplir, yon a tâche qui doit accomplir, c'est enseigner la Bible. Et donc, faut le connaître et faut le enseigner. Et ça fait, parmi qualifications que Paul Bayo, il m'a dit que moun ki poil ancien pasteur ou évêque là, folie qu'a enseigné. Et troisième fois que nous pouvons utiliser le mot évêque au singulier, c'est dans l'autre épître pastoral. C'est encore Paul qui écrit à l'autre pasteur qui est le Tite, Tite 1, verset 7, et qui ça Paul dit, il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu. Ça veut dire que son monde qui est là pour dispenser parole bon Dieu, folie irréprochable, folle pas ni arrogant, ni le pas colérique, ni le pas chargé tête lactafia, n'a dit le comme ça, ni le pas un monde qui violent, ni c'est pas un monde qui a cherché faire l'argent, n'importe qui, Jean. Ça, c'était trois côtés, nous jouons le mot évêque là, en fait au pluriel, au singulier. À nous garder de l'autre fois au pluriel, yo. Acte 20, verset 28. Ça, c'est très important pour Sam Abdoula. Ça c'est l'apôtre Paul qui a parlé dans le livre des Actes des Apôtres, le verset 28. En pile, il dit, prenez donc garde à vous-même. La parole avec les leaders de l'Église, les anciens. Écoutez, oui, regardez bien ça qui écrit là. Et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit
vous a établi évêque, épiscopoi, pour qui raison? Pour paître l'église du Seigneur. Le mot pasteur, même j'aime te dire nous, dérivé de qui ça? Il dérivé du verbe paître. Un pasteur, c'est quelqu'un qui fait paître l'église du Seigneur. Et réaliser dans acte 20, verset 28, la Bible établit yon synonymie, li établit yon équivalence de sens entre le mot évêque, moun ki la pour surveiller troupeau, et le mot pasteur qu'on retrouvait dans le verbe paître, qui l'a justement pour prendre soin troupeau. Donc, réaliser évêque et pasteur synonyme. En sorte que, si vous êtes un pasteur ou déjà un évêque, et vous êtes pasteur évêque parce qu'on sont ancien, texte a encore plus clair. Il dit, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ, donc, m'a écrit à tout membre l'église là, qui y trouvait à Philippe, aux évêques et aux diacres. Et ouais, mot évêque là ici, même j'aime te dire, oui, li au pluriel. Qu'on y a, on nous faut y ramasser première partie. L'apôtre Pierre, qui c'est le prince des apôtres, écrit 1 Pierre 5, versets 1 et 2, ce qui suit. Et là, Pierre pour le montrer que ancien pasteur, ensemble avec évêque, y a synonyme. 1 Pierre 5, versets 1 et 2. M'appelez pour vous. Voici les exhortations que moi-même, apôtre Pierre, m'adressais. À qui est-ce? Aux anciens, presbytéroi, les leaders de l'Église, qui sont parmi vous. Moi, ancien, presbytéros, moi-même, tout, son leader tant coup, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Verset 2. Paissez le troupeau. Si vous comprenez français, paissez le troupeau, c'est l'impératif présent de qui verbe? Du verbe paître. Le verbe paître qui baille le mot pasteur. Et donc, l'apôtre Pierre dit, mais qui conseille m'baille nous, nous-mêmes qui anciens, qui sont titres, qui synonyme à qui ça? À pasteur. Paissez le troupeau qui est sous votre garde, non pas par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Au fait, si on t'a traduit directement à partir de grec là, que me lire, m'a montré nous lire là, et c'est que l'apôtre Pierre dit, ancien yo, nous c'est leader, et voilà nous, c'est pour nous capables paître troupeau, hein, tant qu'on est pasteur, troupeau que bon Dieu mettez sous surveillance nous, le mot épiscopoi. Qu'on est à nous résumer. L'offre une démonstration magistrale tant que ça m'a fait là, à un moment donné, faut y résumer pour lecteur là, ou bien pour auditeur là. C'est ça que m'a fait avec vous. Il y aurait les ça, il y a une conclusion partielle. Gagner trois bagailles pour retenir dans tout samedi là. Trois. Première, c'est que contrairement à son ouais, monsieur pasteur haïtien, monsieur pasteur africain, yo a fait là yo, si yo te respecté vraiment la Bible que relé parole de Dieu, leadership en dans l'église, pas ta pon bagay qui nan men yon seul moun, li tap nan men plusieurs moun. Yo relé ça un leadership collégial. Est-ce que c'est son ouais dans l'église africain ou non? Est-ce que c'est son ouais dans l'église haïtienne? Pas du tout. Pasteur adoucé, li bon Dieu relé, ici en l'église est inanoué, l'homme a offrande, c'est pour l'élié, li fait salve avec lui, et si vous pas content, li fout tout dehors. Donc ça, pas respecter la Bible. Parce que le leadership dans l'église, il collégial. Et c'est ça qu'il faut, ouais, 9 fois sur 10, leur parler de leader en dans l'église, li au pluriel, ancien au pluriel, et évêque au pluriel, pasteur au pluriel. Deuxième bagaille pour retenir dans samedi là, c'est que il y a trois mots qui synonymes. L'or son leader de l'église ou son ancien ou son presbytéros ou bien c'est un pasteur qui dérivé du verbe poiméneïn ou bien c'est un évêque, c'est-à-dire ou son surveillant épiscopos. Si Grégory déjà un pasteur, il pas qu'à chercher ordination évêque
c'est bluffé la bluffo. Li pas dans le Nouveau Testament. La fait, apprendre mot ça, mystification, la jouer dans le cerveau. La fait en fumage mental, la craponne, ou, parce que sous pasteur, ou déjà évêque, ou déjà ancien. Et l'autre pasteur africain fait ça, c'est démagogie la fait. Soit que, li pas comprendre rien dans théologie, parce qu'on pasteur pas nécessairement dans théologien. On pasteur quand on est qui pour en Bible, qui a répété Tintin, et 9 fois sur 10, pasteur haïtien yo, et pasteur africain yo, pas tout, mon minorité qui théologien, mais 9 fois sur 10, pasteur haïtien yo, pasteur africain yo, yo pas comprendre merde dans la Bible. Yo pas gain aucune formation vraie qui qualifie yo pour yo t'ava gérer yon communauté. Parce que si on t'a une formation, on t'a connu que ancien, c'est synonyme pasteur et c'est synonyme évêque, bishop. Si m pasteur, m déjà bishop. Malheureusement, il y a pas le droit, ouais, le pasteur ou kagon grade de plus pour évêque. Foutaise. Et, troisième bagarre, on doit retenir, type évêque là, et c'est là que Grégory Bluffer, démagogue, type évêque là, c'est pas en promotion. Par rapport à celui de pasteur. Yon bel exemple, c'est comme si là, mon professeur. Yon professeur d'université, c'est déjà yon chercheur. Supposez me garder, moi que titre professeur a manqué prestigieux, me dit, m'pas professeur encore, c'est chercheur mieux. Tout le monde qui comprend comment yon université fonctionne, la dit nek ça, c'est soit yon son imbécile, ou bien son mystificateur, moun kap krapone moun, ou bien c'est les deux. Parce que sous son professeur d'université, ou c'est aussi un chercheur. On l'autre exemple. On nous dit que ou a fait doctorat dans n'importe domaine. Dès que ou fin passer ça ou l'examen de synthèse. Ça veut dire que ou fin suivre tout cours qui dans doctorat ou passer examen de synthèse qui dû réussi qu'on y a université a dit ou mettre à le faire recherche après un certain temps tourner avec une thèse pour défendre son quoi comme une contribution au savoir. Tu es déjà chercheur. Donc, on va capable de dire, mon cher, je parle de doctorat comme son chercheur. Si c'est sorti, c'est soit son imbécile ou bien ou son mystificateur qui a fait un fumage mental. Donc, l'église ça doit être dirigée par plusieurs monde qui ont même autorité. Ça veut dire leadership collégial. Ça que nous parlons dans l'église haïtienne. C'est même dictature où jouent dans le palais national là. Même dictature où jouent dans la primature là. C'est là où jouent tout l'église. C'est ça où est le leadership monarchique. Mon nom c'est Wallier. Et lorsqu'on est pasteur ou son ancien ou son évêque, et surtout, contrairement à ça, Grégory a fait mon quoi, sous son pasteur ou pas qu'à venir évêque ou déjà évêque déjà. Parce que évêque pas en promotion par rapport à titre de pasteur. Donc, ce sont, donc le mot ancien, évêque et pasteur, c'est 3 mots qui utilisent 3 registres pour la même fonction. Ancien, c'est celui qui a de l'expérience, donc qui n'est pas un novice dans la foi. Yon pasteur, c'est un monde qui prend soin en troupeau. Yon évêque, son monde qui a veillé sur un troupeau. Donc, yon ancien, son monde qui a expérience, qui a guidé l'autre monde. Yon pasteur, son monde qui a pris soin. Yon évêque, son monde qui a veillé sur le bien de l'assemblée. Puisque, parce que, pas oublier, faut nous pas décontextualiser cette affaire-là, on a parlé de Grégory Toussaint. Puisque Grégory est déjà pasteur, son ordination en tant que bishop, en tant qu'évêque, est d'un point de vue biblique superflu. Donc, ça, Grégory t'a fait, n'est pas ni biblique, ni évangélique, c'était de la mystification, c'était de l'enfumage mental, c'était de la démagogie, du bluff. Et ma parole explique pour qui ça t'a fait. Ma, gardez frère ça encore. Puisque Grégory est déjà pasteur, et selon le Nouveau Testament, pasteur, évêque, ak ancien signifie même bagay. S'il est déjà pasteur, il n'est pas capable al prendre une ordination comme évêque. C'est de la foutaise. Son bagay il fait parce que il fait le calcul qu'il ne va pas qu'être monde saute devant lui, ou bien des monde qui fanatiques, des monde qui zombifiés,
C'est un ou l'autre. Si moun ki devant Grégory ou pas sort, yo fanatisé. Donc yo vin perdu capacité de réflexion. Et malheureusement, Grégory dit, tout moun wèk pas d'accord avec moi, yo sort. Si gon moun Grégory pas t'attend qui t'a fait ça, c'est moi. Parce que li ka passé tout moun sort na fait théologie, sauf moi. Et faut ta virer l'anglais 7 fois pour le dire. Et l'œil t'a fait virer le 7 fois pour le dire, si m'pas d'accord, c'est parce que m'sort. Mais bon, deuxième partie, hein? Puisque ça n'a pas traité, c'est qui sens ordination épiscopale pasteur Grégory a gagné, nous fin comprendre mot évêque, en nous garder, qui sens ordination. C'est bagay très simple. Y'a ordination, et ma voile pour vous lire, qui s'allie, gardez verbe là. Bibliquement, et ma voile pour vous lire, ordonner y'a un pasteur, ou bien y'a un ancien, ou bien y'a un évêque, c'est même bagay là, c'est choisi ou consacrer yon leader au service de l'église. Ça, c'est premier sens, non? Deuxième sens, non? C'est longer main en sous lit pour prier pour lit. En sorte que, qui ça yon ordination, yé? Yon ordination, c'est le fait de choisir yon moun. Et c'est l'église qui choisit moun nan pour ça. Donc, c'est toute la communauté qui choisit, qui prier pour lit en n'étendant leur main sous moun sa, et qui consacrer à travail que la pral fait dans service l'église. Donc, ordination qui s'allie, c'est le fait de choisir yon moun, un, de prier sous tête li, deux, et trois, de consacrer, de mettre à part pour li vin pasteur ou ancien ou évêque ou diacre. Parce que coordination diaconale aussi, mais c'est pas de ça n'a parlé. À nous garder, qui côté nous joigne mot ordination ou bien verbe ordonner dans le Nouveau Testament, un peu après le son bagage qui facile, et ça après le prouver que ça Grégory t'a fait là, li pas biblique, li pas évangélique, c'est démagogie t'a fait, c'est mystification, et c'est de l'enfumage mental, c'est de la foutaise. Bagay li ta fait pour moun sot, pour moun ki fanatise. Parce que si moun yo te minimum kon li la Bible, an pi yo te productionné, pi yo cherche comprendre, yo te pon concordance, de Grégory te fait ça, yo ta d'avant chez ça, m'sa fait là. Bagay sa gen le gon l'autre sens, et c'est ça que fait, faut aller chercher comprendre sens kabbalistique là, sens magique là, parce qu'il y avait aussi ça là-dedans. Et c'est ça que fait que, n'a pral le prend, yon expert en kabbalistique pour expliquer nous qui ça que passé là. Comme on dit, docteur Fizé, mais qu'on la Bible bien. Ou qu'on qui l'a j'n'te gagné, l'homme te fin lire toute la Bible au complet, n'te gagné 12 ans, 12, 13 ans. M'fin fait certificat primaire, donc m'a pral passé dans secondaire, puis en été, puisque m'te désordre, maman m'ba vle m'sorti, et m'a cherché livre pour m'li, m'a cherché livre pour m'li, et puis m'songe, ou songe, vacances d'été duré 3 mois, m'prend tout été à m'lire la Bible de commencement jusqu'à la fin. Et depuis le ça, me lire toute la Bible chaque année. Me lire li en hébreu, que m'enseigner, me lire en grec, me lire en araméen, me lire en latin. Donc, me dit que pas grand monde qui ka vin a kon bagay sous la Bible devant pour l'étonner. Ou ka mande même pour qu'ils soient pas là-dedans encore, ça sont l'autre cause. À nous avancer. Côté Nouveau Testament utilisé mot ordination ou verbe ordonner, et combien fois? Combien fois ouais il est là? 2 fois. Donc ouais, tout scandale que Grégory fait avec ordination là, c'est un bagage qui pas d'importance pour le Nouveau Testament. Pas de gain. Puis tellement démagogue. Il doit ouais tout bagage gain protocole. Justement, n'a pas parlé de protocole ordination selon la Bible dans le Nouveau Testament. Donc mot ordination bien verbe ordonner, l'est utilisé seulement 2 fois dans le Nouveau Testament. À nous garder. Première fois, c'est Acte 14, verset 23. Bam lire pour nous. Acte 14, verset 23. M'appeler d'abord en français. Acte 14, verset 23. Ils firent nommer des anciens. Songez, mot ancien, hein? Il est au pluriel. Et synonyme de pasteur, li. Synonyme de évêque. Ils firent nommer des anciens dans chaque église. Et Samsoudoula, après avoir prié et jeûné, il
les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Ou qu'on qui verbe qui est utilisé là, en grec, acte 14, verset 23, c'est justement le verbe keirotonein, donc nous avons même une version grecque du Nouveau Testament. Ils choisirent, au fait, Louis II dit ils firent nommer. On est l'op traduit pour lecteur qui pas comprendre grec là ou obligé expliquer. Mais le verbe qui est utilisé, lit clair. Le yon fin choisi ancien yon, qui ça yon fait? Yon prié sous tête yon, d'où le verbe qui signifie choisi, li signifie en même temps étendre la main sur, parce que leur prié a été qu'on longe main sur moun nan. Et puis le yon fini, yon dit, nous recommandez frère tel, s'il s'agit de ancien pasteur évêque, ou bien, puisque pas de femme qui était comme pasteur ancien ou évêque, nous recommander une telle comme diaconesse au Seigneur.